D'abord, y a l'aîné, qui est comme un melon, qui a un gros nez, qui sait plus son nom, cieux, tellement qu'il boit, tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses dix doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit, qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui roupille raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, puis qui balbutie, qu'à l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur, non, on ne pense pas. Et puis il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, que jamais vu un teigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qu'a marié la Denise, une fille de la ville enfin, d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur, on ne vit pas. On triche. S'appelle gueule d'apôtre, et dans son cadre en bois, il y a la moustache du père qui est mort d'une glissade. Il regarde son troupeau bouffer la soupe froide, et ça fait des grands, ça fait des grands. Et puis il y a la toute vieille qu'on finit pas de vibrer, et qu'on attend qu'elle crève, vu que c'est elle qu'a l'oseille. On n'écoute même pas ce que ces pauvres me racontent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur, on ne cause pas. Il est tard, monsieur. Faut que je rentre.